Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous avez certainement pu le voir, on a décidé avec les filles de créer une nouvelle catégorie de vidéos sur la chaîne. Donc ce sera en fait des DIY, donc tout ce qui va être des recettes simples et faites maison pour tout ce qui est peau, cheveux et corps certainement. Donc aujourd'hui on se retrouve du coup avec moi pour la première fois dans cette catégorie là, et donc ce sera un soin cocooning pour les cheveux 100% naturel. Si vous aussi vous en avez marre de votre tignasse fatiguée, fourchue, abîmée, je vous laisse du coup avec la suite de la vidéo pour découvrir un soin 100% naturel et qui fera du bien à votre portefeuille. Pour cela vous avez besoin d'un avocat, de miel, d'huile d'olive et d'un jaune d'œuf. Commencez tout d'abord par trier votre avocat en enlevant la peau et en le mettant dans un récipient. Pour ma part, j'ai choisi le récipient de mon mixeur. Coupez-les en petits morceaux pour éviter les grumeaux. Ensuite, vous aurez besoin d'une cuillère à soupe pour les 2 cuillères à soupe, donc d'huile d'olive. Et de 2 cuillères à soupe de miel. Et pour cela, pour finir, vous pouvez ajouter le jaune d'œuf. Ensuite, vous mixez le tout et vous obtiendrez une texture comme celle-ci. Ensuite, en ce qui concerne l'application, vous aurez besoin d'un peigne à queue et d'une pince à cheveux. Faites des séparations pas trop larges et appliquez-les sur les longueurs et sur les pointes. En ce qui concerne l'application, j'ai donc utilisé moi un pinceau et une palette de professionnels de coiffeur. Mais sachez que si vous l'appliquez sur vous-même, ce sera plus simple de l'appliquer au doigt et il n'y a aucun problème. Surtout, évitez par contre la racine, car n'oubliez pas que dans votre mélange, vous avez mis de l'huile d'olive et du miel et ça risque de graisser votre racine. Alors si vous ne voulez pas vous retrouver à faire plusieurs shampoings avant de récupérer une racine non grasse, surtout n'oubliez pas ce petit conseil. Moi, bien évidemment, vous verrez que j'ai pris Laurine comme modèle, comme cobaye, bichette. Alors j'espère qu'elle ne m'en voudra pas trop si elle passe par là. Ensuite, ce soin donc pour vous va servir à enlever tout ce qui est fourche, tout ce qui est pointe abîmée et surtout éviter le dessèchement de votre cheveu et retrouver une brillance et une douceur qu'il mérite sans l'agresser. Voilà donc pour ce soin. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt !